Coucou les choucrouloutes, ici Loupina pour un nouvel épisode de Lulabies Life. On est au 9e, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné, je crois 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois que je n'ai pas tourné. Du coup, il y a eu plein de sondages et des choses en sont ressorties. Donc évidemment, il y en a certaines que j'ai pas pu prendre en compte puisque j'avais tourné en avance. Mais il y en a d'autres que je vais prendre en compte, comme par exemple le métier que vous voulez pour Lulabies. Donc tout tourne autour du jardinage, fleuriste, etc. Et bien, on va faire ça. Alors, je sais pas si je la ferai faire le métier de Comment on dit jardinier en femelle? En féminin? Je ne sais pas. Bref. Donc je sais pas si je lui ferai ça parce que comme je dis, j'ai pas envie qu'elle parte 15 ans, machin, mais je vais commencer à faire un stock de fleurs, de compositions florales, machin, et on ira les vendre au marché aux puces, et éventuellement plus tard, on fera une boutique. Ce que je voulais dire d'autre, oui, aussi pour les rancards. Donc, alors sur le moment, j'étais contente que Lulabies sorte avec Tidiano, comment il s'appelle, Ileas, mais en montant, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu un gros con. Donc, vous voulez pas que ce soit son petit ami, et Dieu merci, parce que l'état du gadjo, et donc on va aller draguer Sam, puisque vous vouliez qu'on la pécho. Et ensuite, je me suis fait un petit programme, donc je compte aussi pécho Talia et Jessica, voilà. On va faire ça, on va essayer de faire ça dans cet épisode, ce sera l'épisode « Je pécho gros ». Et on va y aller tout simplement. Allez, c'est parti, l'intro a duré beaucoup trop longtemps. Et nous voici donc dans le jeu. Donc j'avais dit que je vendrais les plantes, les mauvaises herbes, etc. Et que je commencerais à redécorer la maison. Et c'est ce que j'ai fait, donc je vais vous le montrer tout de suite. Ta-da-da-da ! Voilà, je me suis bien amusée comme vous pouvez le constater. Donc j'ai changé les toits, en enlevant toutes les mauvaises herbes, j'ai pu... Je me suis enlevé des sous, évidemment, quand j'ai refait les toits. Hein. J'ai pas fait ça comme ça. Alors, on va comme... Ok, il manque un bout de barrière, ça commence bien. du coup, on va commencer par là. Donc, il n'y a rien qu'à changer. Là, c'est toujours un petit débarras. Et je pense d'ailleurs commencer à me faire... Enfin, j'achèterai des étagères pour mettre les fleurs, les compositions florales que je vais faire. Et je ferai un stock jusqu'à ce qu'on ait un magasin ou je ne sais quoi. Ici, il n'y a rien, du coup, c'est vachement vide, mais c'est pas grave, je sais pas ce que je mettrai plus tard. Et donc, j'ai refait tous les murs aussi. Vous voyez, ça change, hein. Ça change grave. Là, j'ai laissé le petit tas de cailloux. Alors, au final, comme je suis beaucoup amusée à tout refaire, au final, il n'y a pas tant de plantes que ça, mais ça viendra plus tard. J'ai laissé quelques citrouilles aussi qu'il y avait... Là, il y a un arbre à moitié mort. Je sais pas ce que j'ai foutu, je ne sais pas. Et enfin, le kiosque que je trouve genre méga beau. Alors, vous me direz ce que vous en penserez, évidemment. Voilà, et on va passer à l'intérieur. J'ai aussi refait comme si elle avait repeint les rambardes, en fait. Je me suis dit après que j'aurais pu attendre qu'elle ait une certaine compétence en peinture. Mais bon, je pense que pour repeindre des murs ou des rambardes, faut pas non plus avoir fait le truc Baron Gérard, là, ou je sais pas quoi. Faut pas abuser. Donc, l'entrée, j'ai rajouté un rideau pour que ça fasse moins pauvre. Normalement, vous avez déjà vu... Oui, alors, va te doucher, Lulabies, vous avez déjà vu les toilettes et machin. Cette pièce-là, j'ai toujours pas verrouillée, mais quand elle sera déverrouillée... je l'ai toujours pas déverrouillée, pardon. Mais quand elle le sera, je pense que je ferai un bureau, ou un truc comme ça. Ici, la chambre de Lulabies. Un petit peu plus, plus mieux. Je sais plus comment elle était en fait. Et le salon, comme ça. Et la cuisine. Alors vous voyez, j'ai commencé à refaire les meubles là. Mais j'avais plus assez de thunes. Donc il manque un gros bout. Voilà, voilà. Donc. Ben voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça, c'est pas encore refait. Je referai ça plus tard. Je sais pas trop quand. Je mettrai un petit étang un peu plus joli, on va dire. Mais pour le moment, ça reste comme ça. Voilà, et les arbres, je vous avais dit que ce serait en compétence 8 en jardinage, je crois, pour qu'elle puisse les enlever et en replanter d'autres, etc. Etc. Ça n'a que trop duré. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller, je sais pas où, mais on va se faire un petit rencard avec Mistinguette Sam. Donc on va l'inviter.
si elle veut bien, évidemment. Je sais pas trop si elle va vouloir parce qu'on est en pleine journée. J'ai un léger doute. Le groupe. On va ouvrir tout de suite le groupe. Voilà, Sam. Putain, on est quasiment pas potes, hein. Est-ce qu'on peut pas aller chez elle? Allez. Quoi, allez? Non? Bah attendez, on va directement aller chez elle, ce sera plus simple. Donc je vous reprends quand on y est. Et nous voilà chez Sam. Ouh, Sam! Bah écoutez, puisqu'elle est dehors, on va lui taper la discute. Drôle, raconter une histoire drôle. Je sais pas ce qu'elle est comme. Ah oui, alors évidemment, la caméra. Je... Ah, nique ta mère. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Romantique et très inconnue. Très bien. Je me trompe, désolée. Il me trompe, il y a un petit renard trop mignon. Bref, alors, on va être drôle, on va faire une blague sur les canards, voilà. Je me baladais tranquille, le canard, dans la forêt. Et je vous dis, on va la pécho, mais gros quoi. Ah, mais son ombrelle, c'est trop bien ça. C'est trop bien qu'ils mettent les parapluies pour les vampires, comme ça ils crament pas. J'adore, c'est trop une bonne idée. Est-ce qu'on peut genre complimenter la tenue? Attendez, on peut lui demander un petit prêt? On va lui demander un gros prêt pour voir. Qu'est-ce qu'il a, le yinche? Le yinche! Je me demande si elle va accepter. Non, non! Alors qu'est-ce qu'il dit? Je pense beaucoup à toi et je voudrais te proposer un rancard. Aimerais-tu déjeuner avec moi au restaurant de la tour? Non. C'est bon, il est assez eu ton heure de gloire, laisse-le aux autres. Maintenant, c'est trop tard! Fallait pas te comporter comme un goujat, je veux dire, même quand. Ah, elle est jalouse et joyeuse. Oh, elle est jalouse, putain. C'est à nouveau avec quelqu'un d'autre, mais on va mourir, elle va les détruire. Elle va leur péter la gueule. Ouais, non, c'est bon, Ilias a déjà eu sa chance. Même quand on sort avec lui en mode ami, il se comporte comme un gros con. Alors, c'est bon, hein. C'est bon maintenant. Ça ira, merci, au revoir. Est-ce qu'on peut, genre, regarder les nuages? Et on peut demander des infos sur les vampires? Demander une transformation? Non, 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 non. Non, pas avouer sa peur. Je me suis trompée. Je crois qu'elle a refusé le prêt, hein. Tant pis, on aura essayé. Débattre de l'existence des vampires. Caroline a très faim. Si personne ne la nourrit, elle sera emmenée. Ah, il y a des bébés. Les bébés! Ouais, ben, il y a deux bébés, apparemment. Je ne sais pas si c'est le bébé de Sam. Ça, c'est qui? Laura. Et je crois que c'est Laura qui ressemble à Jessica Rabbit, mais je suis pas sûre. Et ça, Lucie. Ok. Et le mec, Alexandre Parker, n'est-ce pas? On s'en fout, on est avec Sam. On va la regarder un peu de plus près. Ah, elle est grave mignonne. Oh, elle est trop kiki. J'aimerais trop la voir sous sa forme sombre. Ah, elle est jolie, hein. Tu es belle. Ma que belle, là, Sam. Ouh. Du coup, j'en étais où, moi? Ah oui, on va regarder les nuages. Regardez les nuages. Allez, on se magne le fion, fion. Moi, ils y vont. Oui, alors en plein milieu de la route, hein. Bah oui, c'est génial comme ça. Qu'on va la ramener chez nous. Mais en vrai, je pense qu'on va se taper tous les gens de notre groupe, sauf Katia, puisque elle est mariée, comme je le rappelle. Si elle ne l'était pas, je ferais un effort. Mais je me demande du coup si elle a un bébé ou pas. Bon, on s'en branle. On va complimenter l'apparence. Mais non, mais elle est partie. Ah ben, on va chez elle, très bien. On s'incruste comme ça. Bonjour! Ah, celle qui ressemblait à Jessica Rabbit. Le mur, tu nous déranges. Grave. Elle est bonne aussi, hein. Je sais pas s'ils sont genre tous frères et sœurs ou si spéciaux ou. Je ne sais pas. Elle a accepté ou pas? Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre qu'elle ait accepté notre compliment. Est-ce que tu es célibataire déjà? Parce qu'elle se trouve, elle n'est pas célibataire et du coup, on l'aurait dans le cul. Elle est célibataire! Ah, c'est cool! Est-ce qu'on peut par contre discuter ailleurs qu'à côté des chiards? Parce que je sais pas pour vous, mais moi ça me fout un peu le malaise. Hein. On va aller à la maison et je vous reprends là-bas. Alors, nous voici à la maison. On va aller discuter sur le canapé. Non, mais il faut parler à Sam par contre. Ou alors on peut discuter dans le kiosque.
Parce que c'est romantique. Franchement, je sais pas pour vous, mais j'en suis tellement fière de mon petit kiosque. Et vous voyez pas, mais en fait, quand il fait nuit, j'ai mis une ambiance un peu tamisée, posée, on va dire. Comme ça, avec les rideaux sur une partie du truc. Enfin, franchement, je le trouve vraiment trop beau, ce kiosque. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça donne pas trop envie de pécho là-dedans, franchement? Alors, ma petite Sam, on va se renseigner sur la carrière et non, pas demander de vivre ensemble, demander de pousser la balançoire, non, conversation profonde, complimenter la tenue, elle a un beau tatouage en plus, hein. Complimenter l'apparence, mais reste assise. Mais on va la draguer. Je suis pas sûre que ça marche, mais dans le doute, elle est sans emploi, très bien. On ne va pas la juger parce que nous aussi, hein. Et puis même si on était directeur artistique de je sais pas quoi, faut pas juger les gens sans travail comme ça. Offrir une rose. Putain, j'ai tellement envie qu'on la pécho là. J'espère que ça va marcher, hein, qu'elle va pas nous foutre un gros râteau. Essayer d'embrasser sous le gui. Oh, on va voir. Oh, elle est chaude. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Elle lui offre une rose! Oh! Oui, je m'en jaillis pour rien, hein. Salut, on... Oh non, elle nous a mis un stop! Oh! Morue! Mais allez, Sam, tu vas kiffer! est-ce qu'on peut s'excuser? Technique de drague osée, parce qu'elle est confiante. Je suis pas sûre que ça marche, hein. Non, elle va nous foutre un râteau encore. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'était magnifique. Ben c'est pas grave, on va on va sinon t'es gentil, ça se passe bien. Discuter du meilleur violon. Elle va où? Elle va où cette cruche? Sam! Sam! Elle s'est cassée? Genre comme ça. Non mais c'est une blague! Mais Sam! Je la vois pas. Franchement, je la vois pas. C'est comme la dernière fois au bar où elle était sous mon nez, je l'ai pas vue. Que là, il y a l'épouvantail, c'est génial. Sam! C'est une blague! Elle nous a mis un gros stop! Oh la honte! La honte! S'est pris un râteau, on s'est pris un râteau. Puis je la vois pas. Vas-y, c'est tellement frustrant. Mon voisin dit que le festival de l'amour est un endroit génial pour rencontrer du monde. On va voir s'il a raison. Non, il est as. Non, maintenant c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Fallait venir avant. Voilà. Fallait être moins con. Oh my god, mais elle nous a trop mis un stop. Je suis déçue. Bon, on va faire un rancard alors. Elle va nous mettre encore un gros vent. Attendez, il y a quelque chose là. C'est l'épouvantail ou c'est elle? Je sais pas. Ah, mais elle est là! Non, 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 fais pas de rancard, elle est là. Putain, Sam, ça va, oui? C'est chiant. Allez, viens là. Non, je veux pas de rancard. Allez, Lulabi, zouzou. On se dépêche. Elle va nous foutre un vent encore, je le sens. Non! Ah, oh, poufias! Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut s'excuser au moins? Regarde, on peut pas, c'est chiant. Pourtant, elle est même pas froide, hein. T'acceptes un compliment au moins? Non, ok, très bien. Bon bah, elle me saoule. Elle me saoule, elle me saoule. Elle me saoule, elle me saoule. Ouais, on est parti dans l'opéra là, les gars. Hein. Bah écoutez, je sais pas, on peut la flatter peut-être. Bon, en tout cas, on est toujours potes, c'est déjà ça. Faire une petite blague, genre toc toc, qui est là? C'est la petite Charlotte. Allez, c'était très drôle. Oh là là, oh mais le vent, mais oh, mais ils sont, c'est tous des goujats ou quoi, ce que je veux pécho? Ça se passe comment? Entre Ilias qui est con comme une brique, Sam qui est froide comme un glaçon, c'est quoi la prochaine? Talia, elle va nous dire d'aller nous faire foutre parce qu'elle a un gosse à élever, et Jessica, je sais pas. Elle va déjà nous dire qu'elle en a 12. Ah non, l'épouvantail, t'as pas intérêt de venir, hein. C'est bon, ils sont plus embarrassés là?
Mine. Oh, pourquoi moins? Mais pourquoi? On n'a rien fait. Mais c'est un échec, les gars. C'est un échec. Un échec cuisant. Un échec cuisant. Est-ce qu'on peut aller genre discuter ici? Comme ça, il y aura le pot là. Le pot enjôleuse. Bien, Sam. Voilà, c'est bien. Alors, contempler ensemble. Peut-être que si elle est enjôleuse, elle sera moins coincée du derche là. Mais en fait, elle n'a pas d'émotion. Je crois qu'elle a le trait pas d'émotion. Il y a un trait comme ça quand ils sont vampires. Et du coup, c'est très chiant. Parce qu'on peut pas lui faire varier les plaisirs, on va dire. Elle est juste bien tout le temps. Mais nique ta mère! Oh, ça se fait pas. Salope. Faut faire quoi pour le pécho? Bon, elle aime pas qu'on la baratine. Très bien, c'est une chose. Est-ce qu'on peut juste t'enlacer, peut-être? Ah non, on peut même pas lui faire un câlin. Elle veut pas. Ben vous savez quoi? On va lui dire d'aller se faire foutre. Au revoir. Au revoir. Voilà, et on va emmener Jessica au festival de l'amour. Vas-y, au revoir. Non mais casse-toi. Oui, c'était sympa, c'est ça. On lui dira. Je l'ai trop mauvaise là. On va aller au festival de l'amour avec Jessica. Jessica, depuis le temps que je veux me la taper. Et nous voilà donc au festival de l'amour. J'espère que... Évidemment, il y a Lorenzo. Ah oui, d'ailleurs, ils ont des tenues. Je ne sais pas d'où ils les sortent. Vraiment. Je vous assure, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai vérifié toutes les tenues. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas sûre. Oh, elle est belle, elle. C'est une ado, je crois, non? Ouais. Oh, elle est trop belle. Bah, c'est la fille de Kotyo. Mais elle est sublime. Dommage que ce soit une ado. Bon, on va verser du thé Sakura ensemble. Non, mais arrête de s'embarrasser, choupette. Ça va bien se passer. Peut-être que Jessica sera un peu plus réceptive. Et si c'est pas le cas, bah j'irai augmenter le charisme de Lulabi parce que. Ça craint du derche, ça craint du derche. T'acceptes? Oui, c'est bien. T'es beaucoup moins relou que d'autres, hein? Plaisanter sur le fait d'être ensemble. Qui n'a jamais fait ça? Genre, c'est genre. Ah, ce serait énorme qu'on soit ensemble, tu te rends compte? Ouais. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Elle accepte? Ça va. Franchement, pour le moment, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'elle fout? Louise, t'es gentille, mais je suis un peu occupée là. Elle est sérieuse? Je crois que Louise veut qu'on la pécho. Et du coup, j'ai toujours pas si ça se dit Loïse ou Loïs ou Loise, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle veut se faire pécho! Ça faisait longtemps que j'avais pas crié. Donc c'était pour vous, les amis. Le premier baiser. Fais-le! 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 Il se passe rien? Pourquoi il se passe rien? Les numéros de téléphone. Oui, en fait, ils m'ont grave. Ils m'ont foutu un vent là, les Sims. J'aurais dit de faire un premier baiser et ils s'en sont battus les reins. Ah, bah, y a plus. Très bien. Intéressant. Est-ce qu'on peut pas aller genre ailleurs? Parce que là, ça craint. Genre, est-ce qu'on peut rêver de mariage toutes les deux? Ah, oh, bah, tiens. Salut, Elias. Oh, je te brise le cœur. Quel dommage. Et ça va pas tant baisser que ça, hein. Ça va, hein. Bah oui, mais franchement, Iléas, excuse-moi, mais c'était mérité. Voilà. C'était amplement mérité de voir Lulabi draguer quelqu'un d'autre. Parce que, à force de se comporter comme un gros blaireau, bah ça devait arriver, hein. Bah oui, hein. C'est comme ça. Putain, il y a des lags de ouf. Oh, mais il se passe quoi? Mon PC! Wouhou! Il se passe quoi? Oh, le pauvre, quand même. Ah oui, non, clairement. Vous savez quoi? On va emmener Jessica chez nous. Alors, nous revoilà à la maison. Donc, j'espère qu'on va réussir à la pécho, pas comme la Sam, là. Ça m'a saoulé, hein. Ça m'a grave saoulé. Alors, du coup, chatouiller sans pitié. Amour, offrir un cadeau, envoyer un baiser. Oh, mais elle est chaude, la coquine. Chuchoter des mots doux. Oh là là. Oh, ça monte bien. Et vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'après, on va lui dire de partir dès qu'on aura assez d'amour, vous voyez? Et on va inviter Ilias et on va voir si ce gars est con.
On va voir s'il est con comme une brique ou pas. Ouh! Elles sont embrassées! Est-ce que c'est pas beau? En plus, franchement, regardez comme elle est mignonne, Jessica. Oh, j'avais pas vu, elle a des petites taches de rousseur, attendez. Ah! Je vais y arriver, hein. Oh, elle est trop kiki! Bon, là, c'est un gros plan un peu trop gros, hein, comme sur ma face rouge. Non, je pense que si je fais ça. Mouin. Je suis pas certaine. Bon, tant pis, je serai rouge. Voilà. Elle est vachement jolie. Franchement, moi, je la kiffe. Lulabi. Je vais être pécho. Franchement, est-ce qu'elle a pas trop la tête de je vais être pécho? Du coup, c'est cool, on va pouvoir la baiser. La baiser, baiser, baiser. La baiser, baiser. Bon, alors du coup, Sam, c'est un échec, mais Jessica, c'est check. Et ouais, ouais. I am a thief. C'est trop cool. C'est trop cool. Bon, bah, elle baisse, quoi. Ouh! Bah, dis donc, mademoiselle! Ouh! Faut que je me calme. Et c'est qu'on est chaude, hein? Allez, on rebaise un petit coup. Voilà, et après, on lui... Oh, putain, ça m'a fait peur. Désolée, c'est Skype. Va se calmer, hein? Les Simsologues, vous êtes priés de ne pas me déranger pendant que je tourne. Merci, hein? Au revoir! Bon, bah, c'est bon. Lève-toi, Lulabi. Lullaby. Est-ce qu'on peut genre... allez, on le fait une dernière fois, après je lui dis au revoir. Je vais te pécho. Pécho, 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 pécho. Ia-ia-oh. Et on va voir s'il est assez con. Ia-ia-oh. Allez, demandez de partir. Allez, salut Jessica. Goodbye, goodbye. Je dois y aller, c'était vraiment sympa. Bah tu m'étonnes, ma cochonne. Alors, du coup, Ileas, invité. On va voir s'il va venir, ce con. Ah, il est quand même 4h du mat, j'ai un léger doute. Bon, bah, on va lui envoyer des SMS de drague. Voilà. Ileas dort. Bah oui, je comprends. Je comprends bien qu'il dorme. Bon, bah, on lui envoie plein d'SMS. Et on va voir s'il est con. Ou s'il est très con. On va en envoyer aussi à Sam. Voilà. Et je pense qu'on fera Talia dans le prochain épisode. Je sais pas trop encore. Je me suis pas décidée. En tout cas, je vais prendre soin de Lullaby et je vais reprendre après, n'est-ce pas? Alors, voyons voir. J'ai besoin de faire du shopping. Allons au marché aux puces. Ok, tu permets que je prenne mon miel, histoire de vendre tout ça. Ok, on va aller avec Sam, du coup. Amener plus d'amis. Je ne sais pas. Oh, écoutez, on va amener Loïs et Talia. Nous voilà au marché aux puces. Au marché aux puces. Du coup, on va aller vendre notre miel. Hop, est-ce qu'on peut tenir le truc? J'ai jamais fait, je vous avouerai. Installer les objets. Vas-y, ma petite Lulabie. La 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 la. J'aurais peut-être pas dû mettre les grandes vacances comme ça. Je vais essayer d'améliorer le truc. On peut s'occuper de la vente, du coup. Voilà. Allez, on vient acheter mon miel. Venez acheter mon miel, venez acheter mon miel. Oh, elle est trop belle, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Il n'y a pas moyen de négocier parce que c'est vachement cher, wesh. Je veux la lanterne. C'est calme, hein. Bon, il y a qui ici? Ok, il y a des poubelles, c'est génial. Il y a plein de... Pourquoi il est toujours là, sérieux? En fait, on ne pourra jamais avoir un rancard quelconque, puisqu'il y aura toujours Ilias dans un coin, tapi dans l'ombre, en train de nous attendre et de nous épier. En vrai, franchement, il se serait pas con... Mais bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir. C'est un de vos... Je crois que c'est un de vos Sims. On va aller dire bonjour. Je sais pas si quelqu'un va venir. Hein. Qualité médiocre. Commencer une brocante, c'est ça? Augmenter les prix. 25%. Je sais pas du tout comment ça marche. Allez, va draguer le mec.
Il est trop canon. J'espère qu'il est célibataire. Oh, il a l'air intransigeant. Oh, monsieur. Oh, Thomas. Il est parti. Non, reste là, Thomas. Je le suis. Suivons-le. Bon, personne nous veut, c'est ça? Personne veut notre truc? Vas-y, vous êtes des bâtards. Eh, je suis bâtard. Bon, tant pis. On n'a qu'à tout ranger. Ça m'énerve. Oui, bah range les trucs quand même. Attendez, on va draguer du coup le monsieur. Bonsoir, jeune homme. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes célibataire? Ouh! Romantique, gourmand et proche de sa famille. Dis que t'es célibataire, dis que t'es célibataire, dis que t'es célibataire, dis que t'es célibataire. Alors? Dis-le, please! Hein? Quelle déception. Un si beau bout de viande marié, à son âge. La tristitude! La tristitude! C'est quand tu voudrais bien pécho un mec, mais qu'il est déjà marié. Et ça fait mal. Ouais, putain, c'est nul. Vas-y, il était bien là. Je vais pas divorcer. C'est qui la gâte? C'est qui? Connasse! Elle est où? Pute! Anne-Marie Claude, tu vends donc des fossiles. Très bien. Intéressant. Allez, venez acheter mon miel, les gars, là. Vous êtes des bâtards. Est-ce bâtard et tout. Et comment on fait pour qu'ils achètent? Faut se mettre à poil sur le machin ou quoi? Ah! Oui, s'il te plaît. Achète mon miel. Achète! Achète, bébé! S'il te plaît! Allez, ah, elle se rapproche. Oui! Du coup, ça a coûté combien? 94. Oh, attends, 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 vite, va acheter le machin. Vite, je veux la lampe! Lui la bille! Putain, ça va finir. Vite! Vite! Achète-les! Lui la bille a acheté la lanterne! Et ouais! Allez, vas-y, retourne t'occuper de ta vente, là. Oui, je m'en fous que t'aies faim. Allez, on se dépêche, mademoiselle. Ok, donc elle est à 3 mètres derrière le truc, ça gêne personne. Très bien. Allez, venez acheter mon miel, il est bon le miel, il est pas cher le miel, s'il vous plaît, achetez le miel, produit bio. Achetez le miel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les enfants, je vous jure, il est bon, il est bio. Bon, de toute façon, ils ont pas l'air méga. On va ranger les objets. Voilà. Ah non, 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 range pas. Il y a quelqu'un. Prends le miel. S'occuper de la vente, vas-y. Coucou. Oui, s'il vous plaît, Ang. Ang. En Wang. Je sais pas comment ça se prononce. Non, il est parti. Oui, prends-le. Claire. Occupe-toi de la vente. Mais non, mais achetez mon miel. Vas-y, c'est l'épisode nul là. Il se passe rien, wesh. C'est honteux. Honteux. Est-ce que je peux récupérer mon miel? Ranger les objets. J'aimerais mon miel, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Bon, bah, on va rentrer, hein. Super, franchement. Super, quoi. Oh, tellement déçu, Thomas. Tellement déçu. Toi et moi, on aurait pu aller loin. Aïe, 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 aïe. La tristesse. La tristesse. Bon, on se retrouve après. Alors, du coup, on va appeler Ilias. Viens, Ilias. J'espère qu'il va venir, hein. Ah, le voilà, coucou Ilias. On va voir si c'est un con ou pas. Oh, il lui fait un bisou. Il est très triste. Oh, le babouin. On peut le réconforter? Peut-être quand même. Putain, j'ai lu P. Demandez un gros P, je vous jure que j'ai bugué. très triste. Vas-y, on peut pas le réconforter. C'est quoi cette blague? Mais c'est nul. C'est nul. Remboursé. Amour, on peut le réconforter là? Non, mais on va se faire foutre. On peut l'enlacer? Ah oui, je crois qu'il est un peu fâché. Bon, ça va, il est pas si con que ça, du coup. Est-ce que vous pouvez aller ici ensemble? Oh, il est as. Faut pas être comme ça, mon biquet.
sais, ça n'empêche rien, hein. C'est pas parce que je drague Jessica que je t'oublie, tu sais. Oh, Ilias! On peut l'inviter à rester dormir? Allez, demandez de partir. Non, c'est pas ça. Ah, discuter de la tristesse. Est-ce qu'on peut le calmer un peu? Parce que c'est bon, quoi. J'ai rien fait. J'ai juste discuté avec Jessica. Et je l'ai peut-être un peu embrassée. C'est vrai! Et alors? On s'embrasse entre copines, tu sais. En vrai, c'est chiant. J'aimerais bien savoir s'il y a un mode. Pas le week-end, hein, parce que j'ai pas envie d'installer le week-end juste pour ça. Mais s'il y a un mode pour enlever la jalousie. Parce que bon. Donc si le Sim c'est jaloux comme Sam, tu vois, c'est compréhensible. Mais s'il ne l'est pas, il a pas à nous péter un scandale parce qu'on a dit bonjour à une meuf dans la rue, quoi. Et c'est un peu relou, même complètement relou. Bon, on peut pas l'inviter à dormir du coup? Bon bah écoutez, je pense qu'il va s'en aller, hein, de toute façon. Ah, il est enjôleur. Ouh, Ilias. On peut le draguer. Vous croyez qu'il va accepter? Embrasser. Oh! Il nous a mis un stop ou c'est moi? Oh, il nous a mis un stop. Mais non! Oh, le bâtard! J'ai même pas regardé si Jessica était bonne au pieu. Demandez si la personne est célibataire. Est-ce que tu es célibataire, Ilias? Bah oui, tu sais très bien. Bon, bah écoute, casse-toi. Ça va, il est pas aussi con que je ne le pensais. Pourquoi il pleure? Oh là là, mais cet homme! Au revoir. Oui, bah au revoir, hein? Et re, donc il est 7 h du matin, je me suis occupée du jardin. Le jardin. Et voilà, on va réinviter Ilias et on va essayer d'arranger ça quand même. Allez, viens Ilias. Dire qu'il dort, tu vas voir. Tu peux pas dormir, il est 7 h, t'es encore en train de geeker normalement. Attendez, le linge est sec. Non, toujours pas? Oh, remplacer, prendre et poser le linge. On va réparer déjà, puis on va prendre le linge, hein, parce que c'est pas que ça fait genre 2 mois qu'il est dehors, mais bon, faut pas abuser là. C'est Léa ça? Non, c'est qui? Ouh, bonjour monsieur. Bah on va aller voir. Ah le mec est comme ça, genre il fait des pompes dans la rue, genre il se la pète pas du tout le gars. Tout se passe bien. Bonjour. Ouh, ça y est, t'as chaud? Alors, génie actif sûr de lui. Est-ce que t'es célibataire? On va pas y aller par quatre chemins. Es-tu célibataire? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Bon alors, faut pas 1 000 ans pour demander ça. Oh, il est marié. Ah, au revoir, monsieur. Merci, goodbye. Oh, le sang! Oh le seum! Oh le seum, là. Gros seum, hein. On va le mettre au sèche-linge, ça. Oh, ça me saoule! Mais c'est nul! Pourquoi les plus beaux, ils sont toujours pris? Oula! Réparer, nettoyer le filtre. Et puis, faire une. Fouiller les poches, faire la lessive. Oh, Jessica! Qu'est-ce que tout vaut? Voudrais-tu un rencard avec moi? Ben, pas tout de suite, ma vieille, je suis désolée, mais là, je suis en train de réparer ma machine à laver. C'est un vrai calvaire, tu peux pas savoir, hein. Et de toute façon, dès qu'elle a fini, bordel, on va se laisser. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pourquoi elle est hébétée? Oh! Gravement frite. Oh my god, elle s'est pris un coup de jus. On a eu de la chance, hein? Allez hop, on jette tout ça. Sur ce, j'espère que cet épisode tumultueux vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est important pour moi. Et si vous voulez qu'on fasse quelque chose de précis. Et puis, ben, sinon, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut!